Santéo, laisse encore un jour. Santéo. Santéo. Le pays, maman. Maman, si vous voyez mes lèvres, c'est tout sec. Ça, c'est un genre de menthol, là. Santéo. Santé, mes chéris, santé. C'est dimanche aujourd'hui. Je suppose que tout le monde n'est pas à l'église. Hein? Il m'a mené par le système pour ne pas parler de ma mise au corps. C'est dimanche, on est à l'église. Santé, oh, santé, 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 oh. Ben, socoyeuse, bonjour, Véronique. Bonjour, mes amours. Bonjour tout le monde, bon dimanche. Toumoulou. Toumoulou, toumoulou, Yannine Nana, bonjour. Partagez. Il y a trop de soco. Winnie Chinda, bonjour. Osez, maman. Ils ont comment tu vas? Moi, je suis déjà en position. Tu es en position, mais. On partage d'abord avant de prendre la position. C'est chaud. Véronique, bonjour. Bon dimanche des rapports. Ah, ok. Merci. Merci. Oh, wow, nous sommes là. Non, non, partagez, partagez d'abord. Bonjour, Tata Léa, comment tu vas? Bon dimanche. Bonjour, Dashdol. Mélanie, bonjour, comment tu vas? Diane Landrine, tu ne me salues pas? Bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes mes socoyeuses. Bonjour à toutes celles qui sont connectées. Si vous êtes connecté, dis bonjour à Mamie Soko. Souhaitez-moi un excellent dimanche. Souhaitez-moi un dimanche béni. Ouais, c'est ça. Annie Emta, genre, tu guettes, tu ne dis rien, quoi. Flavie Queens, donc, genre, tu me regardes, tu ne me salues pas. Hey! Wow! Donc, c'est comme ça. Le gros bébé dit, il y a quand même, tu vas bien. Je vais être très bien, coucou. Lily, étoile de Jésus. Puisqu'il y a Jésus, ton nom, tu me sois pas bon dimanche. Béli, Béli, bon dimanche, ma chérie. Claude, bonjour, ma chérie. Les béni haricots, c'est de quel côté, maman? Et n'aime pas moi les béni haricots. Huguette, bonjour, ma chérie. Fatih, merci. Minitsu, bonjour. T'aimes que tu j'aime quand tu danses avec mon nom. Lily, l'étoile, comment tu vas, ma chérie? Soraya Wink, quand on regarde Mamie Soko, on lui dit bonjour. Hein? On ne me regarde pas, on ne me salue pas. Super Mélanie, Barbara Diléa, bonjour, bonne fête des rameaux. Merci ma chérie. Prisca, bonjour. Lily, merci. Mais sauf que je ne vois pas mal les partages. Je ne vois pas mal les partages. Vous avez dit pour faire le soco. Quand il vous dit que sortez comme ça, il faut vraiment sortir. Il faut vraiment sortir. Quand vous sortez que Jean. Erika, bonjour ma chérie. Daniela, bonjour mon cœur. Vous sortez que Jean qui ne me plaît pas souvent trop. Je suis grippée d'abord. Waouh, c'est juste à réchauffer. Viens bien manger, va. Hé, hey, mon fils a cuisiné un dangereux là. Tu es très belle, Maléa. Merci, mon cœur. Regardez aussi ce que mon fils a préparé hier. Attendez, je vous montre aussi ce qu'il a préparé hier. Regardez ce que mon fils a préparé hier. Attendez, dernièrement, je vais pas tout manger parce qu'il m'a surpris pour me tuer. Attendez. Mais maman, tu cuisines bien, hein? Ah, mes chéris! Il est pas encore midi. Au lieu que tu fais la tasse, tu viens, je ne suis pas, je refais le riz. Partagez d'abord, soit 200. La bête à griffe, là, me plaît. Oui, elle est à vendre. Elle est de chez Marilyn Hestil. Pardon, ne me grondez pas. Hein. Ne criez pas sur moi. Tu m'as appelé à moi. Tu m'as affiché ta noix, c'est quoi? C'est trop petit. Merci Janine. Il sait qu'on ne mange pas en live. Il sait qu'on ne mange pas la bouche pleine. Donc, pas la peine de me le rappeler. Vous savez, il y a que je suis pas là dans ma tête. J'ai pris les médicaments, non. Bonjour la daronne divine. J'ai pris les médicaments sans manger. Ceux-là, mes yeux sont enflés. J'ai fait la grippe, j'ai la toux. Mes lèvres font mal. Donc, n'écrivez pas là-bas qu'on ne mange pas la bouche pleine. Ouais, Lily, moi aussi, ma chérie.
Vous comprenez donc. Donc, laissez-moi manger un peu parce que j'ai avalé les remèdes. Sinon, ça, mon estomac va me faire mal. Pardon. Mireille, merci. Mais pompez mes cœurs. Frisk a dit bonjour. Je suis depuis au coach. Très bien. J'aime ta façon de vivre sans complexe. Merci, ma chérie. Ton vêtement est très beau. Oui, il est à vendre. Il est joli, mosé, disponible. Le réchauffer toujours un vieux. Je dis que. Ce vêtement, est, ça vient avec son foulard. Merci, Suzy. Floride. Miam, miam, vraiment. Attendez. Voilà. Vous avez 108, 110. Mais bébé, quand vous partagez, c'est mon fils qui a préparé ça. Hier, je suis rentrée. Depuis que je suis un peu stressée. Merci pour les cœurs, mes amis. Pompé. Ne me grondez pas. De rien, bonjour, mon bébé. Coucou. Dorian, je t'aime aussi, ma chérie. Que Poupie est passée en Côte d'Ivoire, fait quoi? Que Rosine a fait quoi? Ça va chauffer, ma chérie. La bise coûte 20 000 francs avec son chapeau, avec son gant, avec son foulard. 20 000. C'est bien d'avoir l'enfant. Oh. Je t'ai dit, ma chérie, c'est trop bien. Daniel, merci, mon cœur. C'est trop bien d'avoir l'enfant. Trop, trop bien. Vous diminuez seulement, maman. Donc, au lieu que vous grimpez, vous diminuez. Mais surtout, vous jouez avec moi. Les filles de feu, ça m'aime sur la top. Merci pour les cœurs. C'est comme ça que Dieu va vous maudire avec l'argent. Dans le nombre de cœurs que vous m'envoyez ça. C'est la même quantité d'argent que Dieu va vous renvoyer au nom de Jésus. Recevez, hein. Recevez ma prière et qu'elle soit scellée dans le sang de Jésus. Merci, Clara. C'est qu'après, on va venir m'instruire. Tu manges en live? Tu es villageoise? Vous avez vu comment c'était pas fait exprès? Mon fils a arrêté ça pour manger. T'en es fini ça, j'arrive sur les filles là. Est-ce que vous voulez vous glacer? Voilà, j'ai fini. Oui! Hein? Ça tombe sur la bici. Merci, mes amours. Adélie, merci. Adélie, merci. Voilà, vous avez reçu la prière. Christelle, merci, mon cœur. Léa, moi-même, ça ne me laisse pas. Je voulais manger mon pain. Mais heureusement que j'ai aussi préparé le riz estomac hier. Maman, tu manges, mais tu ne prends pas le poids. Je prends le poids jusqu'à. Je prends bien le poids. Léa, j'espère que tu as laissé la cigarette. Telle est. Tu m'as fait fumer un jour. Où est-ce que tu écris les bêtises sur Facebook? Donc, si elle veut noircir, c'est ma soeur. Fume. Ah ben. Sans à merci. Dis-moi merci. Merci, carré. Des roses. Bon bébé, viens prendre ça. Il y a un cabanon noir avec la dentelle que j'ai vu sur tes photos. Je veux ça, s'il te plaît, ou commander. C'est Line Mode. Line Mode a fini à la couture. Oh, Poupie! Oh, oh, oh. Oh, mon père. Où est-ce que là? Je suis à sa yeux. Hein? Mangez même doucement, Léa. Je suis pressé pour vous donner le socon. Non, vous voulez donc quelqu'un mange doucement comment? Là-bas. Est-ce qu'on marche même le riz? Moi, il y avait seulement le riz.
Sur la sadio. Et par contre, on va se dérider. Voilà. Bon appétit. Merci, maman. Merci, Mdola. Merci, Mdola. Envoie mes cœurs. Le genre de cœur que vous m'envoyez là, ce sera la dimension de votre bénédiction. Mm-hmm. Mais Delia, tu charges la fourchette là comme si c'était la cuillère. Et qui est chargé comment? Comme ça. Hein? Partagez en soi 220 euros, Zora. Des. Oui, mais tu vas les boire tout soif. Ah. Oui, on va être transpire, non? Le palu, maman. Elle m'a secoué cette nuit. Léa, je t'attends toujours à bas du marché, à comme prévu. Ah, Kelly Lewis. Ah, voilà, c'est le riz avec l'huile rouge, doucement. Mm-mm. Ce n'est pas l'huile rouge, maman. Oui, c'est ce tomate qu'il a fait hier. Pas les mêmes, je l'ai aimé, mais gars, je t'ai dit. Attends, laisse-moi de l'eau alors. Les filles se sont fâchées, pardon, je ne veux pas qu'elles se fâchent. Que mes gars. Merci, mon amour. Ouais, comment votre fils est serviable, non? Maman, wow. Voilà, on est combien? 184. Des, pas même mélanger, s'il te plaît, j'ai trop chaud. Mélanger dans la boîte rose, c'est sur le truc de. C'est sur le truc de mon lit de la chambre. 250 $, c'est normal, gars. Les problèmes passent, mais la vie continue, ma. Léa, donc, papy a vraiment raison de pleurer. Attendez, d'abord, j'arrive. Attendez. Le piment là te fait ça dur. Tu risques même de te piger. Non. Ça me fait pas ça dur. 196. Plus tu parles pas. Voilà les vies qui chutent. Ok, mes socoleuses, bonjour. Mais pendant que je parle, d'abord, vous promettez d'abord de pomper les cœurs pendant que je parle. Parce que quand vous ne pompez pas les cœurs, ça fait que l'algorithme de Facebook, quand ça passe, ça fait comme ça. Ça voit, il y a des personnes collectées. Mais il n'y a pas des cœurs, il n'y a pas des réactions. Il t'enlève encore plus la visibilité. Si vous avez remarqué, depuis ce temps, je ne fais plus trop de live. Parce que ma page, elle est restreinte. Les fans de robots ont signalé ma page avec les fans de Coutelina. Les fans de robots, vous avez signalé ma page avec les fans de Coutelina. Venez arranger ma page comme c'était. Parce que quand je parle un peu mal de robots, c'est fan de Mbrakata. Viennent. Vous, sur ma page. C'est quoi? Vous, sur ma page. Signalement en cours. Les fans de Coutelina aussi. Elle vient aussi nommer son connu. Elle signale. Jusqu'à après, tu vois seulement comment. Il y a le rouge. Facebook a mis le rouge partout sur ta page. Vraiment. Je suis outré et voire même décontenancé face à ce comportement. On vous a dit que sur Facebook, on blague. Quand il y a le vrai, ce qu'on fait. Quand il y a le vrai, on fait. Et c'est nous qui disons que les histoires viennent se retrouver sur la toile, maman. Pompez mes cœurs, mes chéris. On va socoliser ça. Hein? Voilà. Il faut d'abord que j'enlève le truc là, non? La transpiration. Il faut montrer aussi que je n'ai pas mis de make-up. Vous voyez que le nouveau texte, c'est la magie. Vous voyez, je ne mets pas de make-up. Vous voyez, non, mes bébés, regardez, il n'y a plus de quinto. Le teint est vraiment naturel. Maman, je sens que bientôt, nous, on va faire pour nous la gamme de lait. Hein? Parce qu'à force d'utiliser des trucs des gens comme ça, comme tu vois les petits secrets. Hein? Vous voyez comment avant, évite de boire l'eau glacée. Ça donne le gros ventre. Voilà mes socoyeuses. Continuez de partager parce que le sococi est lourd. Le sococi est trop lourd, mes chéris. Le sococi est comment? Le sococi est trop lourd. Donc, je suis restée moi ce matin parce que je n'avais pas moi l'intention de faire le soco. Je n'avais pas l'intention. Non, pomper les cœurs. Pomper. Il n'y a pas moi les demi-cœurs qui montent là. Il n'y a pas moi les demi-cœurs qui montent là. Pomper que pour pas en parle. Voilà. Et j'ai déjà mis les cœurs jusqu'à la loi. Oui, moi, je dois parler. C'est un troc. Vous envoyez les cœurs, vous partagez et moi, je parle. Donc, mes chéris, je suis moi restée, non? Mais attends, Divine dit que 262 même. Mais avant qu'on lance notre live, on était même 1500, 2000. Non, vous avez oublié. C'est parce que maintenant, vous faites seulement la paresse.
Vous avez oublié qu'on lançait le live avant. On télé, quand on avait rien, on faisait 1500 vues de personnes en live comme ça là. Alors, je suis moi restée ce matin, je ne voulais pas moi lancer le live. Je suis restée dans ma chambre, je dormais. Après, je dors même quoi? C'est mieux que j'aille un peu sur Facebook, je vois ce qui se passe là-bas sur Facebook. C'est comme ça maintenant que j'ai encore, je vois sur Facebook, je vois comment Rosine était en direct sur une chaîne là en Côte d'Ivoire. Koudine était aussi là-bas. J'ai dit d'abord, je dis d'abord que Rosine d'abord passé la première fois là-bas en Côte d'Ivoire. Là-bas en Côte d'Ivoire, je n'ai pas moi vu avec Diana Bouli. Il faut qu'on commence pour Rosine d'abord, mes chéris. Puis là, on va conclure avec Pascal Solo. Et là-bas, Wanda Kemed, Rosine d'abord passé la première fois en Côte d'Ivoire. Quand elle a perdu sa grand-mère, elle est allée en Côte d'Ivoire. Mais là-bas, j'attendais qu'elle fasse une photo comme ça. Même avec sa copine, son ex-joujou Diana Bouli. Hein? Il y a qu'elle font des photos là-bas. Elle poste pour dire que Gaja, les deux sœurs se sont retrouvées dans un pays voisin, hein? Où nous sommes dans notre deuxième pays, mes chéris. J'ai attendu les photos de Rosie et pour Diana Nyornyor fatiguée. J'ai attendu les photos fatiguées. J'ai dit que non, mais ça, c'est quoi? N'est-ce pas avant comme ça, vous partiez faire les vidéos, vous dansez les trucs de Shakira comme ça, là, vous cassez les règles, vous portez les habits, quand vous voyez vos nombrils? Hein? Comment aujourd'hui, ça fait que vous arrivez dans le même pays, vous ne vous cherchez pas, vous ne vous appelez même pas? Non, mes chéris, si je parle mal, dites-moi. Les deux filles n'ont pas fait les titres, juste qu'elles dansaient comme ça, elles cassaient le rhum. Elles nous manquaient les petits seins là. Non, elles ont les gros seins. Elles nous manquaient les gros seins là, non? Avec les ventes qui étaient un peu ballonnées là, non? Mamie Soko, vous avez oublié? Est-ce que vous avez oublié ce moment-là? On respirait. Léo, ayez ce genre de seins dans votre vie. Ayez, maman, les amitiés mbrakata des citas gnognog du Cameroun, c'est là, non? C'est la fin des temps. Je dis que les amitiés mbrakata, si que vous faites ici au pays, nous, on a déjà mal à la tête. Nous sommes fatigués de vous voir aujourd'hui avec elle, demain vous voir avec elle. Non, mais ça, c'est quoi? Diana Bouli, toi aussi avec ta petite voix là, comme pour la souris qui traverse la route, tu ne vois pas que Rosine Gengeng, tu ne vois pas que Gengeng Rosine est en Côte d'Ivoire, tu ne crois pas que tu dois l'appeler. Toi aussi Gengeng Rosine, tu ne connais pas comme ça que tu dois partir là-bas, tu appelles ta soeur Diana Bouli comme ça, vous filmez comme ça pour arranger nos yeux. Hein, Gengeng Rosine, tu ne connais pas ça? Ah, on vous a dit que le succès, si c'est quelque chose, vous savez que après c'est des enfants, hein. Les Rosine comme ça, c'est les petits-petits-enfants. Elles n'ont même pas encore 30 ans. C'est des petits-petits-petits-enfants. Vous voyez les petits-enfants comme ça encore que le succès est venu faire vroup sur nos visages. La gloire est venue faire vroup sur nos visages. Oh, en tout cas, si c'est une grâce, si c'est les grâces divines, au nom de Jésus, je me connecte à vos grâces. Parce que, vous voyez, non, mais elles sont curieuses. Si c'est que c'est Dieu qui les a bénis comme ça, si c'est que c'est Dieu qui est en train de déverser les grâces là sur vous, oh, Papa Jésus, je me connecte sur les grâces. Je me connecte à vos grâces. Vous voyez, non, parce qu'il faut aussi qu'on fait la jalousie du quartier. Il ne faut pas qu'on vienne encore, il faut aussi que la jalousie du quartier. Hein? Quand tu es jalouse, Dieu ne te bénit pas. Donc, je t'ai dit, après, c'est des enfants, vous voyez comment le succès à cet âge. Regardez, à ces âges-là, elles sont suivies par des milliers de personnes. C'est un truc de ouf. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, elles pètent le câble, elles pètent les câbles des filles des quartiers difficiles. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Je ne sais pas si... Coquette de diamant. Je dois m'asseoir comme coquette de diamant. Il ne faut pas que ça vous surprenne. Hein? Ça, mon fils va me gronder que maman, tu veux qu'on soit là. Donc, mes chéris, la gloire, le succès, c'est que vous voyez l'argent. Ça transforme les gens. Hein? Ça transforme les gens. Donc, si... Il était encore dit qu'au départ, elles étaient suivies par les 12 000 personnes, c'est mal, les 10 000 personnes. Mais regardez, aujourd'hui, elles sont suivies. Diana Bouli est suivie par près de 5 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Parce que, comptons sur Facebook, elle a combien d'abonnés sur Facebook? Sur TikTok, elle a combien d'abonnés sur TikTok? Sur Instagram, elle a combien d'abonnés sur Instagram? Sur Snapchat, à quel âge? Regardez vous-même, à quel âge? Elle a quel âge? Donc, c'est normal qu'à un moment donné, son succès lui monte à la tête. Oui, mais non, mes chéris. Et Rosine aussi. Ngenge Rosine aussi. Pardon, parlez bien. Ah, il y a des gens qui ne sont pas camerounais qui ne comprennent pas mon langage. Je code, maman.
pas qu'elle parle trop, trop un genre de truc, gnon, gnon. Vous voyez un peu, non? Et regarde aussi une gengue voisine, avec son petit front là. Voilà, 19 ans, ok, 19 ans. Vous voyez comment Gengue Rose, c'est une jeune petite fille. Regardez comment elle est suivie ses réseaux. Regardez ce qu'elle a pu accomplir. Vous voyez qu'à un moment donné, c'est normal que le succès Mbrakata leur monte à la tête. Et tu vois, vous voyez. Donc, elles sont là-bas en Côte d'Ivoire. J'ai vu comment on était en train de... Il y a un groupe WhatsApp là qui m'a envoyé les voices. En faisant le soccer sur Rosine. En faisant le soccer sur Résine. Je dois dire ça ici. Hein? Il y a une fille là. Qui a fait le voice pour dire à Rosine que parce qu'il savait que Rosine est partie là-bas en Côte d'Ivoire. On a posé les questions à Rosine. Où ce que quoi, où elle faisait quoi sur le plateau d'émission là-haut. Elle est partie là-bas citer les gens qu'elle aime. Où ce que c'était les gens qu'elle aime, où on dit qu'elle a fait quoi là-bas. Elle est partie là-bas, elle n'a même pas aussi cité Tata Mimi. Vous connaissez Tata Mimi, non? Vous connaissez que les gens ont connu de Rosine dans sa. L'autre jour, on lui a posé la question qu'elle a, elle a rentré dans le cinéma comment. Comment est-ce qu'elle se fait remarquer qu'elle parle un peu du début de sa carrière. Donc, les gens voulaient, les présentateurs de l'émission là voulaient que Rosine le parle un peu du début de ses débuts dans sa carrière. À quel moment est-ce qu'elle a su qu'elle était actrice? Tu vois un peu, non? Mm-hmm. Comment est-ce qu'elle a fait? Bon, elle a dit que qu'elle a commencé à tourner d'abord les capsules de... Non, qu'elle a d'abord commencé à faire les pranks de Rosine. Sauf qu'après, vous n'en voyez plus les cœurs. Vous n'en voyez plus les cœurs? Hein? La paye, c'est 70 000. C'est ainsi que je viens d'enlever pour 70 000 francs, mes chéris. 70 000 francs, merci pour vos nombreux partages. Merci parce que je vois les vues sont en train de monter. Là, c'est un truc de ouf. Donc, je suis hyper contente qu'elle ait vu. Qu'elle ait vu comme ça. Je vais sortir les dossiers. Qu'elle ait vu les cœurs qui manquent. Je dois sortir tout. Donc, maintenant, pose les questions à Rosine. Elle dit qu'elle a commencé d'abord par les pranks de Rosine. Mais sauf que quand les pranks avaient appris, les gens l'ont remarqué, il y a trop dans la rue et elle a arrêté de faire les pranks. Vous comprenez? Non, mais je sens qu'elle vit de parler de Christ. Tu vois que c'est facile de parler aussi comme ça, de décortiquer la vie des gens, maman. Je sais aussi, je parle comme je peux, non? Ah ben, pompette, ça, là, je ne pompe pas bien les cœurs, mais tu sais seulement que je parle vite. Tu penses qu'il y a le fou, il y a les braises dans ma bouche. Alors. Maintenant, elle a dit qu'elle a fait les pranks et qu'après ses pranks, maintenant, elle a remarqué, elle a tout dans les rues, elle a commencé à faire les capsules de. Elle a commencé à faire le Mama International. Et que c'est Mama International maintenant qui l'a propulsé. Elle a fait une vidéo où le soir, elle a fait une vidéo et le soir, la vidéo avait fait 5 millions de vues, gnognon. Mais sauf que Rosine, tu n'as pas dit la vérité sur le plateau des. Tu n'as pas dit la vérité là-bas aux Ivoiriennes. Les gens t'ont découvert dans Woman en matériel de Aimé Virgile Makungu Mnyornyor. Où elle a resté là, non? Parce que moi, je sais que. En fait, moi, j'ai découvert Rosine là-bas dans la série là. Ça va, mon bébé? Il y a la poubelle, Odès? Ils sont là pour chercher la poubelle. Vous comprenez, mes chéris? Moi, personnellement, j'ai découvert Rosine Mnyornyor. Dans Woman en matériel de Rosine, de Aimé Virgile Makungu, c'est là-bas que j'ai découvert Rosine. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Mais maintenant, les gens de Makungu et mes vigiles là sont fâchés parce qu'ils disent que il n'y a pas de poubelle. Mais bébé, il n'y a pas la poubelle. Donc les gens, les internautes sont fâchés maintenant parce que Rosine n'a pas dit là-bas en Côte d'Ivoire que c'est Aimé Virgile Makungu qui a fait de telle sorte qu'il a révélé aux yeux du public. Vous voyez ce que le succès peut faire? Vous voyez ce que le succès gnognon peut faire? Bon, nous maintenant, on ne connaît pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi Rosine n'a pas mentionné le nom d'Aimé Virgile Makungu là-bas en Côte d'Ivoire. Mais vous savez qu'avant, elles avaient eu un problème là, non? Hein? Elles avaient eu un problème, Mbrakatales, qui s'achauffait dans les groupes comme ça là. Oui, mais je ne pense pas que Rosine était inclue dans le problème là. Je ne pense pas que ça concernait Rosine. Donc, on ne sait pas pourquoi Rosine n'a pas mentionné Aimé Virgile. Peut-être que nous, on a raté d'autres épisodes. Vous voyez un peu, non? Mais quand vous, au début de vos succès, là, quand les gens vous révèlent aux yeux du public, maintenant après, quand vous brissez, écoutez bien le conseil, maintenant après, quand vous brissez, n'oubliez pas, même si vous ne parlez plus avec la personne, sachez que c'est la personne qui vous avait révélé aux yeux du monde. Même si vous êtes éloigné, même si vous ne vous parlez plus, même si, ayez l'amabilité de mentionner ces personnes-là. Et c'est grâce à cette personne que le monde vous a connu. Donc, c'est ça la bonne façon de vivre. Tu dois, de ton parcours, tu dois dire réellement comment tu as commencé. Tu as sauté une partie, Rosine. Et ma petite soeur, tu as sauté une partie.
Tiens, j'ai écouté maintenant un voice. Quel succès, même une villageoise. On attend quand son compte va encore sauter. Ouais, bébé, nous insultons pas ces dimanches, nous ne pêchons pas gratuitement. Et vous savez que c'est un enfant. C'est un enfant, et quand l'enfant fait quelque chose, on ne doit pas la pousser, mettre dehors. Ou comment quand tu fais, ouais, là, ma tête te tape que dedans, elle même te pousse, elle met dehors. On doit seulement lui parler comme ça à travers le socle. Elle doit comprendre. Vous savez, c'est des enfants. C'est un enfant. Parce qu'elles ont quel âge? C'est juste que le talent les amène où elles sont aujourd'hui. C'est le talent et le travail. Vous voyez un peu dans mes bébés. Donc, n'oubliez jamais de mentionner la personne qui vous a fait, qui vous a révélé aux yeux du monde. Parce que sans aimer Virgile, Rosine, tu, même si tu faisais tes prêts, même si tu faisais n'importe quoi, ça ne devait pas prendre comme ça après aujourd'hui là. Parce que le Woman a matériel, c'était une série à succès. Moi, j'avais aimé beaucoup cette série. Et c'est là-bas que j'ai découvert que j'étais une actrice, une comédienne aussi. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire, non, mes chéries. Donc, ma chérie, vraiment, il faut rectifier ça. Il faut rectifier ça. Et tu appelles ta copine là qui a la voix de la souris là-bas en Côte d'Ivoire. Tu appelles Diana Nyornyon. Vous voyez. Vous partez dans un pays comme ça. Vous partez dans un pays comme ça où tous les yeux sont braqués sur vous. Les Ivoiriens ont vu vos vidéos, votre contenu autrefois. Maintenant, les mêmes Ivoiriens vont voir comment vous êtes là-bas. Vous n'arrivez même pas à vous voir et faire des photos ensemble. On doit comprendre que vous êtes les aliénés. Hein? On va dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est pas bon. On a dit, le linge, ça se lave en famille. Hein? Le linge, ça se lave en famille. Vous même vous voir là-bas par hypocrisie. Vous voyez, vous fumez. Vous souriez même comme ça, pourtant, au fond, chacun a la rage de l'autre. Je préfère le genre-là. C'est pour la bonne cause. Vous voyez un peu, non? Vous partez là-bas, t'as assis là-bas, toi aussi, tu es là-bas. Vous voulez vraiment nous montrer quoi? Hein, les socoyers, les stambrakates. Vous voulez vraiment nous montrer quoi? Passons à Poupi, s'il te plaît. Non, j'ai peur de la déception, Sébastien. Oh, je suis sa grande sœur, hein? Ah bon, divine? Elle est trop agitée, mais elle va se calmer bientôt. C'est grâce à nous qu'elle sait quoi arriver. Non, mais bébé. Ok, c'est souvent, aussi, c'est grâce à vous, vous là qui partagez. Regarde là comme présentement, on est plus de 400. C'est parce que vous êtes là, vous partagez. C'est vous qui nous suivez au quotidien, vraiment qui nous propulsez. Peut-être qu'on ne vous dit jamais ça, peut-être vous oubliez ça, mais c'est vous. Imaginez maintenant, je m'en vais, je fais mes contenus quand je faisais le quotidien de Johnny Fela. Imaginez maintenant, je fais comme ça, je viens, je poste, vous ne regardez pas, vous ne partagez pas. Ça va faire comment pour avoir les vues? Les gens vont faire comment pour découvrir ça? Dans la force, là. Normalement, qu'on pose une question à une influenceuse Mbrakata ou à une star Mbrakata pour dire que... en fait, si on interviewe une star, à la fin, elle doit toujours dire merci à son public, merci à sa communauté. Parce que c'est vous qui rendez les gens stars sur les réseaux sociaux. C'est vous. C'est vous là qui donnez le succès aux gens. C'est vrai qu'elles ont du talent, mais si tu as le talent et que tu n'es pas suivi, les gens vont découvrir ton talent. Hein? Donc, apprenez à dire merci. Vous voyez comment après mes directs là, je dis toujours merci à ceux qui ont partagé, que Dieu vous bénisse, que Dieu... C'est très, très important. C'est très, très important. Vous comprenez, non? Donc, Rosine Mbrakata, avec Diana Boulou Nyornyola, vous êtes vraiment deux aliénés. Vraiment, je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente. Il y a même votre soeur Stéphane Nyornyola là-bas aussi. Ah, il y a aussi, vous vous voyez, vous faites, je ne sais pas, quelque chose, on sait moins que vous trois Camerounaises. Vous avez fait seulement comme les filles qui sont y arrivées. Hein? Vous faites comme si vous êtes y arrivé. Vous ne pouvez pas encore arriver. Hein? Oh, non, mais je suis déçue de ouf. Elle a 24 heures pour s'expliquer. Elle qui est belle. Wow. Teta, tu es très belle. Je veux ton secret. Vous connaissez déjà que j'utilise les produits de Mira Cosmetics. La gamme blanche neige de chez Mira Cosmetics. Voilà, merci Sandrine. Donc, ça, c'était la partie de Rosine. Alors, maintenant, nous arrivons fort, fort sur Koutelina. Envoie les cœurs d'abord pour Koutelina. Vous savez que quand j'arrive sur le socle de Koutelina, comme ça, vous savez que c'est une méga, super, hyper, stambrakata. Envoie d'abord les cœurs de Koutelina avant qu'on ne la décharge. Envoyez ces cœurs d'abord, mes socoleurs. Vous avez près de 400. L'humilité précède la gloire, oui. L'humilité précède la gloire. Soyez des personnes humbles. C'est vrai que quand moi-même, souvent, j'ai un agent là, comme ça, là, tu sens comment ton corps veut faire que, genre, comment tu veux te prendre la tête, mais après, je me rappelle que tu dois te calmer, Soko. Sokoli, tu dois te calmer. C'est des choses qui se contrôlent, hein. C'est des choses qui se contrôlent et c'est pas facile, c'est pas du tout facile. Surtout quand tu sors d'abord d'une famille pauvre jusqu'à ce que, pauvre, quand tu ne te donnes pas mille francs pour aller à l'école. Il y a un genre de gens comme ça, si ça vient brusquement.
tu dois aussi être brusque dans ta façon de faire. Donc, des fois, je comprends ces personnes. Vous voyez? Voilà, on est arrivé comme ça sur le tour. Celle de Nadia, elle est encore en Côte d'Ivoire. Elle croit déjà être arrivée. Ah ouais? Oui, envoie les cœurs pour couper. Pardon. Il y a aussi des gens qui attendent en live, non, DS. Ils lancent les bêtes appels Mbrakata. Cette période coûte 70 000 francs. Donc, si quelqu'un est intéressé, après qu'elle m'écrive. Voilà, je vais l'enlever et on passe. On s'accorde de Kouteli d'Ambrakata. Partagez. Pardon, doucement, s'il vous plaît, chérie. Non, doucement, pourquoi? Elle veut nous montrer quoi d'abord? Hein? Elle veut nous montrer quoi? Ah, je ne sais pas comment est-ce. Attends, ceci la perruque, je ne sais pas comment comme ça. Ah là là, attendez d'abord, je tire ma perruque, ma chérie. Attendez d'abord, je donne d'abord un sens à ma perruque. Oh my God. Pompez les cœurs pour Kouteline d'abord, ce n'est pas n'importe quel style. Hein. Quand on arrive sur Kouteline, ça, vous devez envoyer ses cœurs. Qui appelle même Léa, non? Il est aussi même dépassé. Attends, qui a remarqué qu'on m'a appelé? Vous êtes forte, maman. Guigui, tu vis, chérie coco de moi. Tu es rare jusqu'à maman. Ça, c'est que la perruque de Pink. Kutelina Frontana alias Poupi. Attendez. Donc, je donne ma perruque, on boucle maintenant. On boucle, je ne connais plus comment je vais faire avec. Je veux ton WhatsApp. Ouais! Mais ça, parlez-moi, non, je fais ce que je fais comment je suis. Sinon, c'est là qui parle pas comme ça. Aïe. Ah bah. Non, c'est les gars. Gars, mon frère. Coucou. Ma Bali, Virginia. Oh, attends, bien que ça, c'est un nouveau look que Marilyn a sorti, hein. Hé, hey, attendez voir. Oh. Maï va écrire vipère. Maï, vas-tu mettre des vipères, pourquoi? Quand on parle pour Rosine, c'est bon. Hein? On parle du socor de Rosine, c'est bon. Quand on arrive sur Poupou, puis vous commencez à m'insulter. Attends, d'abord, je mets mon numéro. 676-28-27-93. Voilà le numéro de Poupou. Et voici le numéro de Poupou. Voici mon numéro. Hé, attendez, j'ai épinglé. Épinglé le commentaire. Et que j'ai épinglé plutôt les rires de Cindy Belle Royce. Attends. Oh, belle perruque. Ah bon, attendez d'abord, j'ai épinglé mon numéro. Partagez, vous envoyez les cœurs. Le Kouteli, j'atterris sur toi. 676-28-27-93. Voilà. Oh. Vous riez de quoi? Maman, je suis parti épingler les rires d'une fille là. Ha! Voilà. D'ailleurs, la perruque rouge là, non, c'est la fin des temps. Non, non. Tu es comme la première dame du Cameroun. Tata Léa, tu me donnes. Tata Léa, si tu me donnes comme ces bouquets à mon goût. Ouais, je voulais d'abord trouver un sens à ça. Comment on porte? Vous savez que Marilyn, non, c'est une créatrice. Il n'y a pas la sauce gombo. Je dirais à Marie le riz. La période, c'est la guerre. Mais Tata Marie, elle fait faux. Maman, Tata Marie, je n'arrive pas à porter celle-ci. Gars, ça c'est pour aller arracher les maris des gens. C'est une très belle perruque. Il faut juste retirer le brochure sur la tête même. Il y a ta perruque, elle est très jolie. Je te dis, la Tata Marie a une façon de boucler alors qu'elle, regardez, elle a une façon de boucler là que j'adore. Mais honnêtement, c'est comme si ceci là, non. C'est comme si on doit mettre les peignes. C'est une jolie perruque, regardez. Marilyn Monroe. Oh mon goût. Oh papa, regardez, vous me suis comme Marilyn Monroe. Si je mets un peu le make-up là, je pense à me finir comme ça. Ah, où je vais vous connaître, me filmer aussi. Oh. Elle créa notre première dame. Tu m'appelles une fille là comme Rosine appelle son ex-collège gars là. Ah bon, hein, Cindy. Gars, mais socoyeuse, tu dois d'abord enlever la perruque. Là. Je ne connais pas comment positionner ça. Retiens. Yo, yo, quoi. Pourtant, c'est très joli. Hein. Voilà.
cherche une coiffe ou une peigne ici. Oui. Ça, il faut seulement une coiffe comme ça pour mettre ici, là. Vous voyez, non, c'est une très jolie perruque, attendez. Vous voyez, non, regardez. Et mon fils est couché. S'il te plaît, donne-moi ça, non. Ah, Facebook, alors, donne-moi ça. Dis-moi un peu. Elle est la sœur de Shakiro. Non! Tata Léa, tu ne nous montres plus les aventures de Johnny. Maman, non, comme ma page était restreinte là, non, bébé. Donc, Rosine a 19 ans. Comme ma page était restreinte là, il a dit que je ne publie plus. Attends, j'ai un mic. Attendez, mes chéris. Je dois m'enlever ça. Attendez, d'abord, il faut d'abord que je sois belle avant de parler de Coutelina. Voilà! Tu as la peigne. Va vêtements, mais va vêtements, mais qu'est-ce que c'est ça? La peigne, c'est dans la chambre. Tiens, ma soeur. Maman, voici une fille qui écrit que le patois. Voilà. Attendez. Vous savez que Marilyn, elle a fini avec les boucles. Elle est très brave. Même si elle se réconcilie, ça ne pourra plus jamais être comme avant. Beaucoup beau. Oh, c'est la façon de crier sur moi. Mais encore la perruque, là. J'ai ri un peu. Laisse-moi. Tu t'es encore rasé ou depuis là, tes cheveux n'ont pas poussé. J'ai rasé chaque mois, maman. Léa, tu as percé le roi 12-12 et dans ton zi. Tu as percé le roi 12-12. Wow! Le roi 12-12 qui partage l'argent aux influenceuses, là. Papa, on sort de mon direct. Sors. Tu partages l'argent, tu attends seulement qu'elle vienne en Côte d'Ivoire pour que tu donnes ma part. Eh? T'es le roi 12-12. Mon roi 21-21. Voilà. La greffe sinus, la chimie. Oui. Tata Marilyn a baptisé ça la Léa Campbell. Donc, si un jour vous arrivez chez Marilyn et que vous avez besoin de cette perruque, dites-lui c'est bon que, mamie, nous on veut la Léa Campbell. Celle-ci, elle est avec Closu. J'en ai deux. J'ai l'autre avec la Closu et j'ai l'autre avec la laisse. Regardez vous-même. Regardez mes bébés. Oh là là. La tienne, elle connaît son travail, oui. Voyez-vous même. Même si un ex t'a barré. Même si un ex t'a barré jusqu'à ce que ça fait, moi, il y a 21 ans. Tu reviens comme ça avec ce genre de perruque sur la tête. Il va encore partir, qui part où? Barenzo. Muriel Blanche est déjà avec mommy. Quelle mommy? Et la perruque, c'est même pas cher. Elle est dans les 170 000 comme ça, là. Ton teint, sinon, ma mère, c'est le haut niveau. Ah, merci, mes bébés. Vous voyez que maintenant, je suis comme une Américaine. Je ne suis pas noire, je ne suis pas brune. Regardez. Je n'ai plus les quinto, rien, rien. Je n'ai plus de rougeur. Regardez comme mon teint est lisse. Depuis là, je ne fais que nettoyer pour que vous me voyez. Jusqu'à, il écrit que tu es belle. Fais la capsule, hein. Tu joues trop bien le rôle de la villageoise. Maman, je suis d'abord une villageoise. C'est pas les choses qu'on parlait là. Trop belle, merci. Voilà. Plus de cœur, plus de soco. Et dit, Émilie. Leïla, merci. Filola, Filola, Filola. Merci. Et qui est? Vous avez combien comme ça là? Non, mais ça, c'est quoi? Vous êtes battu, vous? Le thing, c'est la magie. Très belle. Merci. Jennifer, un selfie. Voilà, le gant que tu portes là, s'achète chez Limonde. Voilà mon gant, c'est la période des baptêmes. Regardez-vous même mon gant. Voilà le foulard de ça. Voilà le foulard, il vient de chez Limonde. Donc voilà le foulard, regardez. Ça, c'est pour les anciennes de l'église. Hein? Et pour les rester comme nous, comme ça, là. Vous voyez, trop joli. Vous voyez. Voilà. Vous avez vu, regardez le teint. Bon, j'ai envie de me mettre un peu à distance pour que vous puissiez contempler le nouveau teint. Vous voyez comment ce collier est joli, gnon gnon.
Donc, je ne suis pas très brune. Regarde mes lèvres. Le palu, hein. Vous voyez ça même. Ici en bas, c'est les blessures. Nous sommes à l'église alors. On attend le socle. Puis je peux prendre le gant là. Je me marie une fois avec elle. Je t'ai marié l'année passée, sorcière. Voilà. Pompez les queues maintenant. Pompez les queues maintenant. On va faire le socle de Coutelina. Alors, je suis toujours restée chez moi ici. J'étais toujours couchée dans ma chambre. Je vois comment m'a tagué partout, partout. Sur une chaîne là. Maman, sur les pages ivoiriennes. Je suis que les ivoiriens vont me dire que mais celle-ci. Parce que là-bas, sur la page, là, il y a seulement Aïcha Kamouas, Léa Campbell officielle. Ton mari doit être ministre. De toute façon, tu brilles là. Maman. Oui, vas-y, on parle maintenant de Poupi. Donc, je pense sur la page, là, je vois comment les gens sont en train de dire que Poupi a pleuré. Que Poupi a pleuré, Poupi a pleuré. Ah, ouais, mes amours. Que Poupi a pleuré là-bas. Quand on lui a dit quoi, maman. Je ne veux pas vous mentir, non. Moi, je ne veux pas regarder l'émission là. Je ne veux pas regarder l'émission là. Mais justement, parti dans les snaps de Coutelina. Je suis dans ces snaps, j'ai vu la partie là. Il y a même partie que j'ai vu sur Facebook là. On dit qu'elle pleurait. Qu'elle pleurait quand on a manqué son contenu avec pour Muriel. Elle a commencé à pleurer. Coutelina, tu pleurais quoi? Tu pleurais quoi, Coutelina? Tu veux nous montrer quoi? Hein? Tous les jours ici, on vous a dit que réconciliez-vous. Mani Bella, avant de tomber, même enceinte, elle a essayé de vous réconcilier ou pas? Et donc maintenant on dit qu'on vous réconcilie, tu refuses, hein? Après tu t'en vas pleurer chez les Ivoiriens. C'est quoi cette nouvelle mode de pleurer à la télé? Vous voulez vraiment nous montrer quoi? Vous pleurez, on dit à quoi vous pleurez quoi sur les plateaux d'émission des gens? Les hommes Mani Bella a voulu vous réconcilier, vous avez refusé, non? Vous avez refusé qu'on vous réconcilie, non? Maintenant, vous refusez qu'on vous réconcilie pour partir pleurer maintenant dans les pays voisins. Hein? Tu pleures quoi? Tu avais perdu un membre de ta famille. La nostalgie de quoi quand vous écrivez avec la nostalgie? Mais c'est vous qui ne voulez pas vous réconcilier, non? Hein? Voilà, Mani Bella, maintenant qu'il y a le gros ventre là-bas, elle ne peut même plus vous réconcilier parce qu'elle n'a même plus la force. Avant, vous aviez refusé, maintenant c'est tard. Les gens ont essayé de vous arranger dans le noir. Vous aviez dit que vous ne voulez plus. Marc, moi, je n'avais plus. Toi aussi, j'ai dit que tu ne veux plus. Mais si vous ne voulez plus, ne pleurez pas. Hein? Vous avez manqué de respect à Mani Bella? Qu'elle essayait de vous réconcilier. Vous voulez vous saouler les qui? Coutelina, que ses yeux sont secs, secs, là, elle a pleuré. Parce que Coutelina, que vous voyez là, ses yeux sont secs, secs. Vous avez vu les yeux de Coutelina, blancs comme ça, là. C'est là que tu la claques, même une goutte de larmes ne coule pas. Hein? Comment tu as fait pour pleurer, Coutelina, quand je vais te trouver ici à Bonamou, ça dit. Je vais te gifler au Panamera. Je vais te claquer. Tu vas me dire ce que tu pleurais chez les... Je vais te claquer, poupie. Tu comprends, non? Tu pleures quoi? Donc tu as sapé comme ça pour porter ta culotte là comme ça comme pour 50 cents. Pour partir pleurer en Côte d'Ivoire. Je dois encore aller regarder. Le dire là où tu as pleuré, écoutez. Si je vois une seule goutte de larmes, c'est moi qui dois t'attendre à l'aéroport international de Douala quand tu vas arriver. Et c'est là-bas que je vais te racler devant toutes les autorités. Tu pleures quoi? Hein? Tu veux vraiment nous montrer quoi? Tu voulais vraiment nous montrer quoi? Il fallait ignorer le corps. Au lieu d'un chien à moi, tu pleures plus qu'avec qui? Je suis en deuil. Je suis en deuil à l'instant où je te parle. Je me suis souvenu de ma grand-mère qui était morte. Mais tu sais que je pleure? Hein? Je dois me retenir face à vous. Ouais, mon Dieu. C'est toi qui dois les réconcilier. Si Mani Bella est fatiguée. Maman, pour vous dire, on te dit qu'elle n'a pas pleuré. Tu as un problème. Elle va là-bas, Carrie. Carrie, avec ta tête comme le mortier. Tu comprends, non?
Vous aimez toujours venir faire comme si vous aimez les gens plus que nous. Tu penses que tu l'aimes plus que les qui? Hein? Avec des oreilles comme les chips. Que tu la veux quoi? Tu l'aimes trop? Et remis que tu fais le Sokoye sous quartier en vrai. Oui, maman. Mais Sokoye, c'est même parce qu'effectivement, je fais les choses des sous quartiers. Je vous dis quelque chose. Dans la vie, les gens aiment se retrouver. Comment? Je vais vous expliquer ça comment. Les gens aiment s'identifier à des personnes. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Sur Facebook, déjà, il y a déjà trop les gens qui ont montré qu'elles ont de l'argent, qui roulent dans les grosses voitures de 100 millions, qui roulent, qui prennent les jets privés. C'est pas tout le monde qui prend les jets privés. C'est pas tout le monde qui roule dans les grosses voitures. Maintenant, comme moi, je viens maintenant, je n'aime pas l'argent, maman. Est-ce qu'il y a mal l'argent, mais socoyeuse? Maintenant, quand je viens aussi simplement comme ça, avec les trucs du quartier, les gens doivent s'identifier à moi. Hein? Si tout le monde veut seulement branler l'argent, les gens vont s'identifier à qui? Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, il y a des gens qui n'ont pas de moyens. Il y a des gens qui viennent des familles modestes. Il y a des familles qui... Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui me suivent, qui me disent tout le temps. Parce qu'il y a des fois, moi-même, j'ai envie de pleurer. Des messages que je vois sur Messenger, honnêtement, j'ai envie de couler des larmes. Vous comprenez? Parce que tu te rends compte que tu es sur les... Nous sommes là sur le virtuel. Je vous vois. Vous me voyez, mais je ne vous vois pas. Je lis juste vos noms. Ben, je zoome souvent sur vos profils. Après, je me rends compte qu'il y a tellement de personnes qui m'aiment. Des personnes que je n'ai même jamais vues en face. Des personnes avec qui je n'ai jamais parlé. Mais qui sont toujours en train de me bénir. Qui sont toujours en train de me laisser des paroles adoucissantes. Qui sont toujours en train de je ne sais pas. C'est émouvant. Parce qu'elles s'identifient à moi. Hein? Je vous ai dit que si tout le monde... Si je veux aussi venir prendre la grosse voiture, commencer à rouler dedans ici, là. Hein? Il faut aussi que les ouais, des bobos. Tout le monde ne peut pas être comme Bobo. Et tout le monde ne peut pas faire comme Bobo. Faire comme les bobos. Il y a des gens même qui ont l'argent. Mais qui restent calmes, qui sont tranquilles. Vous comprenez ce que j'ai en train de dire, non? Donc, je dois tout faire le socle du quartier. C'est pourquoi elles-mêmes. C'est pourquoi ces personnes qui sont connectées quoi, depuis une heure de temps, elles-mêmes. Parce que je suis vrai. Vous avez dit que oh, tu parles mal, tu t'exprimes, oh, tu parles comme au quartier. Oui, je dois parler comme au quartier. Donc, vous voulez que je parle ici sur Facebook, je fais le wesh wesh. Oh, wesh wesh wesh. Je parle les wesh des blancs maintenant, le jour que vous me tamponnez au marché de Bonamou, ça dit. Je commence à parler comme une fille du quartier. Bêta, je commence ça ici sur Facebook. Je dois parler comme depuis que je suis petite, je parle. Maintenant, si je vais à la banque pour faire un versement, oui, ma démarche peut changer, ma façon de parler peut un peu changer, mais pas que je vais aller commencer à faire les wesh, 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 en live, pourquoi? Hein? Vous voulez que les gens changent seulement leur façon de faire? Je ne peux pas changer, gars, je suis comme ça. Je suis comme ça, je ne peux pas changer. Et je vous ai dit que moi, je m'affiche toujours complet. Je m'affiche complet. Donc, les airs que vous voyez ici sur Facebook, là, c'est vrai maintenant que les gens qui me trouvent dans la vraie vie maintenant me disent que je suis plutôt... Elles disent que je suis même timide à la limite. Les gens maintenant qui me voient, comme par exemple à Yaoundé, toutes les soeurs qui sont venues là-bas dans le meuble à Yaoundé, elles ont dit qu'elles me trouvaient seulement timide. Et tout le monde, les gens ont l'habitude de me dire ça. Mais vous voyez aussi quand ils prennent ma caméra comme ça, là, je ne peux pas lancer la caméra après, je suis timide, vous n'allez pas me suivre. Je dois crier mes socoyeuses. Vous voyez un peu, non? Je dois crier fort. Oui. Je dois faire comme tout le monde fait. Je dois faire comme on fait au quartier. C'est bien, c'est intéressant. Les gens aiment ça. Hein? Non, mais ça, c'est quoi? Donc, vu que je lance au direct, je vais faire genre, bonjour. Oui, comment vous allez? Michel, bonjour. Oh, Daily, bonjour. Gnon, 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 gnon. Qui va faire l'autre là? Qui va faire l'autre là? Ça va d'abord sonner comme pour les anciens maires du temps d'Aïdjo qui vivaient dans le fond bout de là-bas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Et qui est? Yé. Koho, nyon, 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 wesh, wesh, wesh. Je ne connais pas d'abord quand est-ce qu'on fait wesh. Et moi, les gens pensent ce qu'on a fait, on dit wesh. Je ne sais pas quand est-ce déposer wesh dans une phrase, frère. Donc, laissez-moi, collez-moi la paix. Je sais qu'il y a plus, il y a beaucoup de personnes qui s'identifient à moi à travers mes vidéos que je fais pour poster, à travers mon live, à travers ma façon de faire. Oui, les gens aiment ça. Alors, je demeure comme ça, je demeure Léa Campbell, Jennifer, je demeure qui, je suis comme ça et je ne veux, personne ne peut me changer. Vous comprenez, non? Donc, mes socoyeuses, c'est un bango bango.
Si un jour vous me voyez parler avec les wesh, 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 claquez-moi. Voici Des, non, Des va bien, il est couché, il a mangé ce qu'il est rassasié, il va bien. Donc, je ne peux pas voir maman, je ne peux pas faire comme. Voilà, Léon, on a compris. Alors, voilà, donc je vais profiter encore pour dire merci à tous ces merveilleuses personnes qui vraiment passent le temps à me bénir. Vous êtes tellement nombreuses. Vous êtes tellement nombreuses. Et rassurez-vous, vos bénédictions ne passent pas inaperçues. Dieu les attrape bien et il les déverse bien sur moi. Donc, merci vraiment à vous. Merci. Mon fils de 12 ans. Non, mon fils de 12 ans, il est à Yaoundé. Voici celui de 14 ans. Voilà. Donc, Koutelina, vous êtes en train de dire ceci là. Et parlez-moi encore quoi sur Koutelina là. Donc, écoutez. Je ne pense pas que on a voulu vous réconcilier. Vous avez fait les Wembrakata. Moi, j'aime ta façon, Léa. C'est ça qui me retient encore sur ta page. Maman, je ne peux même pas changer. Je ne peux pas changer. C'est bon comme ça. Je ne suis pas une fille qui whitise. Je ne peux pas faire les wesh wesh. Je ne peux pas. Les gens, non, mais arrête. Non, mais arrêtez. Je ne supporte pas ça. Je ne peux pas. Regarde d'abord comment ça sonne. Ça sonne d'abord comment comme ça. Grandir à Bouddha. Donc, on ne doit jamais rester Bouddha dans ma tête. Jamais. Voilà. Merci, Danisha. Merci. Alors, mes chéris, je vais rapidement parler. Je vais arrêter le live. Donc, je disais qu'on essaie de réconcilier Marcel. Elles ont refusé. Elles se savent le problème qu'elles ont eu parce que depuis qu'elles se sont séparées, personne n'a jamais pu les réconcilier. Elles-mêmes n'ont pas pu se réconcilier. Elles ont essayé plusieurs fois de recoller les morceaux, mais ça n'a rien donné. Vous voyez, non. Donc, ce qu'on doit faire, c'est quoi? On doit les laisser tranquilles. Le jour où elles doivent se sentir prêtes à se pardonner, elles vont se pardonner, elles vont recommencer à marcher ensemble. Mais là, vraiment, c'est au-dessus de nos forces. C'est au-dessus de nos forces, mes soyeuses. Vous voyez un peu, non. Vous avez vu Koutelina en Côte d'Ivoire. Elle brille. Moi, je n'ai pas lu la tristesse dans ses yeux. J'ai vu comment elle était. J'ai vu comment elle brillait. Elle était belle. Hein? Elle brillait comme moi, je brille maintenant là. Elle brillait comme si elle met les produits de miracle cosmétique, gnognon. Hein? Donc, je n'ai pas vu le désespoir dans ses yeux. Je n'ai pas vu une tristesse quelqu'un dans ses yeux. J'ai plutôt vu une fille épanouie qui est dans ses projets, qui est à fond dans son projet ou dans ses projets. Vous voyez un peu, non? Parce que l'œil souvent que nous regardons avec la... Et vous savez que Koutelina, c'est une fille très discrète. Elle peut être là comme ça, elle te regarde comme ça là. Elle te regarde comme ça, tu crois que l'enquête est regardée. Pourtant, l'enquête dans son regard, elle est à Paris. Que t'es by Mira Cosmétique. Mais moi, depuis que j'ai dit que t'es by Mira Cosmétique, maman, depuis que j'ai dit que t'es by Mira Cosmétique, que tu as reparé le thème ici jusqu'à ce que ça dose, ça dose, ça dose, maman. Depuis que je parle. Oh! Donc, Tata Mira, elles savent que c'est Mira Cosmétique. J'ai à parler jusqu'à inbox, partout, maman. Ouais, la vie, c'est la chance. Voilà, merci. Donc, Koutelina alias Fontana, nous avons hâte que le jour où vous allez vous réconcilier, nous serons toujours contentes. Donc, vous vous réconciliez ou pas, vous nous avez habitués à vos écarts là. Donc là, maintenant, présentement aussi, nous, on vous observe seulement. Le jour où vous vous réconciliez, on applaudit. Le jour où vous restez toujours comme vous êtes là, nous sommes là, on vous regarde. Donc la balle est dans votre camp. Vous voyez un peu, non. Mais cependant, on peut glo comme ça. La gamme blanche n'a déjà fait le son. Oui, ma chérie. Ouais. La maman, la magne internationale. Tu maîtrises le cosmétique. Il n'y a pas ton deux au Cameroun. Les femmes fortes du pays, les femmes dynamiques, gnor. Fallait pas chanter pour vous. Fallait pas chanter pour vous. Quand tu vois aussi les boss les ici sur Facebook aussi, tu restes souvent le matin, quoi. Tu as faim, tu n'as pas 5 000 dans ton porte-monnaie. Elle poste une vidéo comme ça. Le son, ça va quoi la DS? Elle met le son de Fallait pas aller aussi, comme ça tu les vois dans les grosses voitures. Vous voulez vraiment nous montrer souvent quoi, Mira là? Hein? Vous voulez vous nous fusserez pourquoi, non, maman?
Elles mettent le son de Fali, elles conduisent les grosses voitures gnor-gnor là. Elles sont seulement là au volant comme ça. Oh, oh, Seigneur, tu nous as bien bénis. Méfiez-vous. Quand nous, on a souvent fauché, évitez de nous montrer certaines choses. Quand nous sommes souvent fauchés, évitez de nous montrer certaines choses. C'est quelle gamme que tu mets, maman Léa? C'est la gamme blanche neige. Hein? Tu vois aussi Mira. Avec son âge là, elle aussi avait son petit corps et son petit ventre pour ça. Les seins sont là déposés, le petit nez. Donc tu vois, elle est comme Anna Montana de l'époque là. Hein? Tu sens une femme comme ça qui déjeune qu'avec le cérélac. Tu es aussi là. Ton ventre est grosse quand ton gars dit que bébé va faire le sport. Tu vois la gola, elle a fini d'accoucher. Mais le cou est tout là comme ça, vraiment, hein? Non, 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 non. Ouais, pardon, Mira, excuse-moi. Mira, gnoc-gnoc. Ouais. Voilà les vraies femmes. Voilà les vraies femmes dynamiques du pays, là. Vous les avez vu distribuer l'argent? Le vrai argent ne fait pas le bruit. Tu pars chez Mira comme ça. Quand tu pars chez elle là-bas, tu te mets seulement de l'autre côté de la route, en face de l'hôtel La Falaise là. Tu restes quand tu peux t'écrouler. La maison est d'ailleurs vaste comme ça. Ses bureaux sont chez elle. Elle a encore elle a ouvert un vaste restaurant comme ça là, chez elle. Après, tu restes encore dans l'après-midi. Elle pousse encore un autre immeuble avant qu'elle a construit. Vous voulez, c'est quoi cela, c'est ce que vous voulez nous donner. Hein? Mais après, la fois, on comprend que c'est le travail. Le travail n'est rien que le travail, maman. Non! On va seulement vous suivre. Mm-hmm. Voilà les gens comme ça que vous devez écrire en commentaire que notre modèle, notre, vous dites souvent que voilà, que mon icône, les mira comme ça. On vous voit sur la page des Pampambé. Oh mon idole, gnor-gnor, vraiment, hein. Vous fatiguez sur les réseaux. Hein? On doit vous voir sur la page des Stambrakata, des sous-quartiers comme moi. Oh, tu es mon idole, tu es mon idole. Alors, en brousse. Voilà. Donc, Ouh, je suis fatiguée à parler, je transpire même. Je transpire. Voilà, mes socoyeuses, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre direct. J'ai de très... destin, vraiment. Donc, je voudrais dire, nous sommes à la fin de notre direct. Bon, Poupi, que le Dieu qui t'a ramené en Côte d'Ivoire, que ce même Dieu te ramène ici au Cameroun en pleine forme et en bonne santé. Rosine, gengengengeng, Rosine. Que le Dieu qui t'a amené là-bas en Côte d'Ivoire puisse te ramener encore ici en bonne santé aussi. Nous voulons ici encore en bonne santé. Quand vous êtes parti, vous voyez, non, mes chéris, même si elles se vendent, même si elles font comment, bénissons-les seulement. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, sinon, je dis merci à toutes ces femmes-là qui me font confiance, qui me prennent comme leur égérie, qui me prennent comme ambassadrice. Carrie, je te bloque. Depuis le départ, tu m'écris des choses méchantes, mais je ne te bloque pas. Je te bannis maintenant de ma page. Bye bye. Voilà. Donc, je disais que je dis merci à toutes ces femmes-là qui me font plaisir, qui me contactent pour que je représente. Pourquoi je représente, comment on dit, je place le mot là comment, pourquoi je représente humblement leur marque, des personnes comme Mira comme ça. Mira, je te dis merci. Voilà, Marilyn Hestil par exemple, je te dis merci. Et toi Francis, je te dis merci. Monsieur Frisson de Tap Tap Saint, je te dis merci. Vous êtes tellement nombreux. Ligne Mode, je te dis merci. Donc, je vous dis merci à toutes ces personnes qui me font confiance. Donc, c'est vraiment un... C'est une joie pour moi. Donc, je suis très heureuse de travailler avec vous. C'est trop, trop chou. C'est un truc de ouf. Oui, non, mes chéris. Mais si on bavade comme ça, qu'après, on s'arrête pour faire la pause de publicité. Le son, on ne sera pas sucré. Donc, c'est bien de faire le son comme ça. Après, tu t'arrêtes un peu. Tu dis, bah voilà, je brille comme ça parce que je mets les produits de Mira Cosmétiques. C'est trop chou. Quand je vous parle comme ça, après, je vous dis, bah voilà, cette perruque que vous voyez comme ça, elle vient de chez Marilyn Hairstyle. C'est trop chou quand je vous parle comme ça. Après, je vous dis, regardez ce vêtement comme ça que j'ai mis, il vient de chez Ligne Mode. Vous voyez, donc, tant de choses. C'est tellement cool. C'est encore plus cool quand je vous dis que pour tous ceux-là qui sont en Europe, téléchargez l'application Tap Tap Sen. Vous, vous vous inscrivez et vous envoyez. Vous mettez mon code promo CAM237. Pour ceux qui sont en France, ils bénéficient 5 euros. Pour ceux qui sont aux États-Unis, comme ça en Angleterre,
il bénéficie 10 €. Donc, tu télécharges l'application TapTapSend. Tu t'inscris, tu introduis mon code promo pour envoyer l'argent ici au pays. Tu gagnes 5 € ou 10 €. C'est petit, mais socoyeux. Donc, monsieur, merci à monsieur Frisson. Merci à vous tous là. Merci à vous tous. Vous êtes incroyables. Vous êtes gentils. Voilà, je vous dis humblement merci. Donc, voilà, il est à quelle heure? Il est 10h26. J'ai des choses à faire. Donc, merci à toutes celles qui ont partagé le live. Merci à ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à ceux qui ont pompé les cœurs. Merci à vous tous. Voilà. Donc, merci à vous tous. Je porte encore cette perruque et j'arrête le live. Je vous ai dit, toutes ces perruques-là que je porte, voilà mon numéro que j'ai épinglé en bas. S'il y a une perruque seulement qui vous intéresse, vous faites la capture. Vous faites la capture et vous me l'envoyez à ce numéro. Vous voyez, non. Donc, cette perruque-là, elle m'appartient. Elle s'appelle la Léa Campbell. Mais je pense qu'il y a d'autres aussi en entreprise. Donc, si elle vous plaît, vous capturez, vous mettez ici, là. Vous m'envoyez au numéro, là. Je vais envoyer à Marilyn Restil. Donc, voilà. Je mets encore celle-ci et puis je... Oui, il fait chaud, hein. Je mets celle-ci. Oh non, oui. Je mets cette métissée aussi parce que là, je pense que je suis à coup de batterie. Péri le lion, tu es où depuis? Je pense que je suis à coup de batterie. Hein. Lord Kenny, merci pour les cœurs, mon amour. Vous savez que c'est des... Je n'ai pas encore donné celle-ci. Pourquoi on arrange bien? Donc, merci. Merci infiniment. Bon, moi, j'aime porter mes perruques. Je ne sais pas comment vous dire. Voilà, vous voyez que elle est très très jolie. Vous voyez, non, ça me rend seulement là comme la poupée Barbie. Donc, toutes les perruques là que je mets, elles sont disponibles. Kessy, merci mon cœur. Moi aussi, je t'aime, maman. Je t'aime aussi. Voilà. Vous n'aimez pas. Regardez. Je n'aime pas encore. Donc quand tu flammes quoi, ça devient encore. C'est touffu d'abord jusqu'à. Voilà. Oh là là. Vous voyez, non. Maintenant encore, si je veux, je fais ça comme ça. Attendez. Oh my god, je transpire déjà de ouf. Mariole, merci mon cœur, merci pour les cœurs. Qu'est-ce que merci, le prix haut. Il faut m'écrire sur ce numéro, mon numéro qui est épinglé. Vous voyez, non, donc elle est d'abord bien touffue. Et Marie n'a même pas encore fait la devanture. Donc regardez, elle n'a même pas encore fait les baby hair devant et autres. Mais elle est déjà très jolie. Voilà, donc si j'ai mis une perruque qui vous a plu, vous capturez, vous envoyez, suivant mon numéro MTN là-bas. Donc, vous voyez, vous pouvez faire ça comme ça. Donc, il y a d'abord trop les fentes. Elle a fait ça sur une bonne laisse. La laisse frontale de ça est trop, trop bien. Voilà. Francine, merci. Vous voyez, non. Oh, yo. Je transpire fort, fort. J'ai un palu là qui me secoue ces jours-ci, non. Eh, je vais tout retirer les légères. Voilà. Jolie Anita, merci. Vous avez vu, non? Regardez. Non, Marley, reste. Tu as fini avec les perruques, ma chérie. Regardez vous-même. Regardez. Regardez. Elle est longue. Donc voilà, regardez. Voilà. Donc voilà. Bonjour qui? Lorian. Lorian, bonjour. Voilà, vous avez vu, non? Voilà. Mes chéris, je suis fatiguée. Tout à l'heure, on se prend à la pro. Mais bébé, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Tout à l'heure, on se prend à la projection du film 2 avril.
de Noël que moi. Vous seriez là-bas. Je sais que vous seriez là-bas, non? On se prend là-bas, non? Tout à l'heure à 16h, je m'en vais regarder le 2 avril, le film qui parle de l'autisme là, Donc on se prend au cinéma, on se prend là-bas tout à l'heure. Hein? Je vous attends là-bas, hein? Comment vas-tu en ce jour, Mago? Aïe? Lorient, je vais bien. Tonten Jao, oui. Mira cosmétique. Voilà. Donc, on se prend tout à l'heure avec Noël. Vraiment, ta beauté me fatigue. Ah ouais? Voilà. Voilà. Donc, commandez vos perruques, commandez vos vêtements, commandez vos gammes de lait, commandez tout, tout, tout. Et, pardon, surtout, pour tap, tap, celle-là. Pardon, téléchargez l'application, là. Ça existe déjà même aux Émirats, là-bas. C'est bon, il y a à Dubaï. Donc, téléchargez. Vous introduisez mon code promo CAM237. Donc, à chaque transaction, vous utilisez toujours mon code CAM237. Que ça reste gravé dans vos mémoires, mes socoyeuses. CAM237. Quand vous faites vos téléchargements de l'application TatapCN, utilisez toujours mon code promo. Quand vous envoyez l'argent, utilisez toujours mon code promo. Vous voyez, non? Donc, merci à celles qui ont utilisé le mois passé. Le mois passé, vous avez tellement utilisé le code là que non. J'étais tellement contente. Il m'a appelé, il m'a dit que Léa, ce mois, sinon, maman, tes socoyeuses ont fait fort. Elles ont téléchargé l'application. C'est comme ça qu'elles ont introduit ton code promo. Donc, j'étais contente de ouf. Vous voyez, non. Donc, je me dois de vous dire merci. Et quand je trouverai du temps encore, je vais encore organiser notre dîner que vous connaissez là. Vous voyez, la dernière fois, on a organisé l'autre Ocho Space. Donc, à chaque fois, je choisis les super fans qui partagent toujours mes contenus. Je choisis peut-être 10 ou 15 super fans. On va dîner quelque part dans Bonamou Sadi. Vous connaissez déjà, non? Donc, apprêtez-vous et continuez d'utiliser mon code. Avec seulement. Voilà, sur ce bon dimanche, je vois que ça a cuit avec Noël. Il y a certaines. Vous allez voir certaines. C'est une race de femmes. Donc, quand elles restent comme ça, leur rêve, c'est de voir des personnes séparées. Hein? Leur rêve, comme la mère que tu vois, que je vois que ça a cuit avec toi. Qu'est-ce qui a cuit? Tu nous avais mis au feu pour dire que ça a cuit. Donc, du moment où vous ne voyez pas deux personnes ensemble, ça signifie seulement qu'elles se sont séparées. Tu dois attendre ça toute ta vie. Tu as compris? Non, ça part. Avec ses oreilles comme les chips. Voilà. Donc, excusez-moi. Non, elle mérite souvent que je les insulte comme ça. Elle mérite des fois. Parce que depuis que je fais mes posts, elles disent que je vois que ça a cuit avec Noël. Je vois que ça a cuit. Tu dois attendre ça toute ta vie. Ça ne va jamais cuire. Parce que je vous ai dit qu'avec elle, ce n'est plus l'amitié. C'est à la famille. Donc, je peux me faire une semaine là, je ne la vois pas. C'est à ma soeur. OK? Donc, tu vas attendre comme ça longtemps. Voilà. Voilà, mes chéries, excusez-moi de m'emporter. Dame ciel, ma chérie. Voilà, donc je vous souhaite un excellent dimanche. Passez un agréable dimanche. Je vous aime de ouf. Mes lèvres, je ne suis même pas en santé d'abord. Bon dimanche à vous. Si quelque chose vous a intéressé, capturez, vous m'envoyez sur ce numéro. Voilà le numéro que j'ai déposé là, 676 28 27 93. Voilà, je vous attends inbox. Bisous. Merci encore.